suis impatiente de te voir, tu es une fille vraiment géniale. Ce soir, je suis débordée. Demain, c'est la ruée vers l'or des gnomes, mais je dois absolument terminer de restaurer la statue du vieux mineur avant que ça commence. Le travail, c'est l'héritage que je vous laisse, se disait le vieux mineur. Circulez, vous les gnomes, vous avez créé des embouteillages monstres toute la nuit. Ce ne sont pas quelques panneaux qui vont empêcher les bouchons. Non. Oh. Oh. Même sans notre intervention, Pixieville devient de plus en plus chaotique. Hein? Dépêchez-vous, il est temps d'accomplir la tâche du vieux mineur. Si seulement leur passion pour l'or les faisait bouger un peu plus vite. Dépêchez-vous, vous allez finir par être en retard pour la ruée vers l'or. De l'or, de l'or, vous en, de l'or, de l'or. De l'or, de l'or. Je voulais juste qu'il se dépêche, pas qu'il devienne complètement fou. Ça c'est amusant, les gnomes n'ont même plus besoin de nous pour semer la pagaille dans toute la ville. Nous devons à tout prix nous débarrasser de ces pixies. Il n'y a pas d'or ici, vous perdez votre temps. Et le temps c'est de l'argent. Si vous ne réparez pas ces troutes immédiatement, je vous promets que vous aurez une très grosse amende. Ils ont énormément de travail, qu'ils ne se laissent pas distraire par leur amour de l'or. Oh, ces gnomes! L'or les rend fous, c'est bon à savoir. Mais bien, les enjoliveurs vont marcher sur le pixie bolide, d'accord? Et surtout sépare bien les vieilles peluches des nouvelles, comme ça nous les vendrons un peu plus tard. Ouais. Ne vous en faites pas, Monsieur Augustus. Ces gnomes, qu'est-ce que nous allons faire avec eux? Fixit, je t'apporte une invitation de la part de Chata. Oh, zut, ça tombe mal. J'ai déjà quelque chose de prévu. Monsieur Augustus, je peux terminer demain? Il ne faut jamais rien remettre au lendemain, disait le vieux mineur. Et avec cette ruée vers l'or, je suis obligé de vous laisser la boutique, bande de flemmards. Et je ne suis pas tranquille. Il y a quelque chose qui brille. De l'or! Ces gnomes! Loquette! Loquette! Loquette, peux-tu me dire pourquoi j'ai trouvé cette serviette dans la machine à laver? Parce qu'elle est sale, non? Le vieux mineur disait toujours. Une serviette n'est jamais assez sale. Regarde, elle est comme neuve. Comment vas-tu faire pour gérer mon hôtel sans moi demain? Loquette! Tiens, c'est pour toi! Puis-je vous l'emprunter, monsieur Rollo? Ces gnomes! Nous voudrions trois statues du vieux mineur. Désolé, nous ne pouvons les vendre qu'aux gnomes. Nous sommes des gnomes. Combien coûtent les statues? Un gnome négocie toujours avant de demander un montant. Oh. Ah!
Vous êtes des elfes! Par le pouvoir de l'or! Je contrôle totalement leur esprit! Avec ce mineur, les gnomes feront tout ce que nous voulons! Il ne manque plus que Mola et nous serons au complet! J'espère qu'elle va se dépêcher d'arriver! Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Réveille-toi, il faut faire la fête! Je suis désolée, Chata, mais je suis épuisée à cause des gnomes. Les gnomes ne pensent qu'à l'argent, à l'or et à leur petite personne. Génial, maintenant ma fête est fichue à cause des gnomes. J'aimerais tellement que les gnomes n'existent plus. Ce matin. Je ne vois aucun gnome d'ailleurs, peut-être que le concours a commencé. Génial, maintenant ma fête est fichue à cause des gnomes. J'aimerais tellement que les gnomes n'existent plus. Je crois que c'est grâce à moi. Quoi? Hier soir, j'ai souhaité la disparition des gnomes. J'ai le pouvoir des souhaits. Laissez-moi vous faire une démonstration. Je souhaite avoir 1 000 000 de gâteaux aux abricots. Et voilà le travail. Caramel, qu'est-ce qui te prend de rouler à contresens? Tu peux parler, regarde où tu vas. Moi, je n'ai fait que suivre les panneaux. Hey, hey! Qu'est-ce que je vais faire? Mes gâteaux sont fichus. Nous avons un problème plus important. Si les gnomes ne contrôlent plus les panneaux enchantés, ça va être le bazar. Vous n'avez pas réussi à trouver mon diamant? Monsieur Rollo devait s'en occuper personnellement, j'en ai besoin. Mon diamant. Où étais-tu passé? Je n'arrive pas à m'en sortir sans Rollo. Ces serviettes sont trop propres, nous partons, quel scandale. Monsieur Rollo aura de nos nouvelles. Sortez-moi de là tout de suite. Je n'ai pas besoin. Je ferais mieux d'y aller, on court à la catastrophe! Bon, Pixie à l'attaque! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi nos pompes magiques n'ont plus d'énergie? Je vais tout arranger, je souhaite que tout redevienne comme avant. Nous n'avons pas le temps de faire des souhaits, il faut agir! Non mais ça va pas la tête! Il faut que nous disions aux gnomes d'arrêter leur concours immédiatement et qu'ils reviennent avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu veux vraiment que je les fasse revenir? C'est étrange qu'ils aient totalement disparu, mais c'est encore plus étrange que nos pompes magiques ne marchent plus. La source de nos pouvoirs est l'arbre de la vie. Peut-être que le problème est là-bas. Bientôt, ces idiots de gnomes couperont les racines en croyant déterrer de l'or. Comme les Pixies sont privés de leur pop magique, nous allons pouvoir conquérir Pixieville. Allez! Rex et son gang ont pris le contrôle de tous les gnomes grâce à ces statues. Il faut entrer, mais ça a l'air inaccessible. Des Pixies, à l'attaque! Je vais tenter d'arrêter les gnomes. Et vous, allez chercher les statues. Apporte-moi cette pépite tout de suite. Inutile de vous énerver comme ça, monsieur Rollo. Je souhaite avoir une de ces statues. Tu ne voudrais pas me donner un coup de main, plutôt? Raté. Limite, non. Parfois, il faut savoir donner un petit coup de pouce au destin. Oh non, il s'attaque aux racines de l'arbre de la vie.
De l'or ! De l'or ! De l'or ! Vous ne pouvez pas aller plus loin. Lâchez tous vos outils. Venez donc la chercher. C'est pas gagné les Pixies. Regardez, Mola a réussi, elle a sauvé l'arbre de la vie. Quand un pixie utilise ses pouvoirs pour défendre une juste cause, l'arbre de la vie lui donne un pop magique. Une sphère magique qui a le pouvoir de transformer un pixie en popixie. Mola, le pouvoir de Pixie des tunnels. Je vais couper votre arbre une bonne fois pour toutes. Ça suffit maintenant, je vais vraiment m'énerver. Venez voir le trésor du vieux mineur. Tout est redevenu normal et les gnomes ont réussi à respecter leurs traditions. Comme disait notre ami le vieux mineur, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Viens avec moi dans un endroit magique où tu trouveras tant de jeux, tant de rires et tant de joie. Et où tout change à tout instant, c'est comme un grand manège. Car pour Pixie, réalise tous tes vœux.